Alexandre Légarette, directeur commercial de la société MC Technologie. Nous sommes partenaires électroniques de l'événement Barracuda Tour organisé par Beneteau depuis ses débuts. Nous avons donc la chance d'équiper les Barracuda d'HDS 9 et 12 carbone selon la taille et le modèle du bateau. HDS carbone que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, de vous présenter les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser durant le Barracuda Tour. L'HDS Carbone est un combiné multifonction sondeur GPS qui est doté d'une dalle tactile ainsi que d'un pavé de boutons latéral qui permet son utilisation simple et ludique. Vous retrouverez donc sur ce menu général les fonctionnalités principales de l'écran, la carto, le sondeur, le structure scan et le down scan, une fonction de navigation qui s'appelle pilote, les informations de l'ensemble du bateau, une entrée vidéo et éventuellement pour les bateaux qui y sont dotés d'une fonction pilote automatique. Sur votre droite, vous retrouverez les vues partagées que vous allez devoir créer vous-même. À partir d'une page vierge, vous allez glisser les vues que vous souhaitez obtenir en vue partagée. Donc, par exemple, un peu de cartographie, un peu de sondeur, éventuellement un peu de scan. Si cet affichage me convient, je le sauvegarde. J'ai donc accès tout de suite à la vue que je viens de créer en quelques secondes. Sur la partie de droite, ici, je vais retrouver un menu d'accès rapide au réglage de base de chaque vue. Ce menu d'accès sera toujours en corrélation avec la vue en encadré orange, c'est-à-dire que là j'ai mon menu d'accès à ma cartographie. Si je clique sur mon sondeur, j'ai mon menu d'accès sondeur. Il en est de même pour la troisième vue, le downscan. Ce menu peut éventuellement être caché si vous souhaitez profiter pleinement de la largeur de l'écran. Pour chaque affichage, vous allez devoir sélectionner les informations overlay que vous souhaitez voir apparaître. Pour cela, appuyez une fois sur le bouton démarrer et ouvrez le menu Edit Overlay. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner toutes les données que vous souhaitez voir apparaître sur votre affichage. Vous avez donc accès à bon nombre d'informations que vous allez devoir cocher et sauvegarder ensuite. La vitesse. Et par exemple, pour terminer, la profondeur. Je sauvegarde et je viens donc d'ajouter les informations overlay à cette vue. Une simple pression sur le bouton page vous permettra de retourner au menu général de l'appareil. Comme vous le savez, sur le Barracuda Tour, vous devez pêcher sur différentes zones. Ces zones seront répertoriées sur votre fonction carte. Cette fonction carte est simple et ludique à utiliser grâce à la fonction tactile. Vous allez pouvoir zoomer, dézoomer sur la dalle ou directement sur le pavé de bouton. Cette cartographie répertorie l'ensemble des balisages, des zones de navigation, les différents dangers, etc. Vous allez pouvoir créer vous-même des routes de navigation ou des waypoints, tout simplement. Par exemple, pour créer une route, on va cliquer sur Nouveau, Nouvelle route. Avec un appui franc, vous allez marquer des segments et un appui léger, déplacer votre cartographie. Si cette route vous convient, vous allez donc pouvoir la sauvegarder, la renommer et elle reste enregistrée dans l'appareil. Vous allez également pouvoir marquer des points GPS directement sur la cartographie en plaçant votre curseur à l'endroit souhaité et en appuyant directement sur le petit bouton Waypoint. Vous allez pouvoir modifier le nom, le type de logo utilisé ainsi que la couleur. Toutes ces données que vous allez pouvoir créer, que ce soit un Waypoint, une trace comme on peut le voir ici ou une route, vous allez les retrouver dans vos données personnelles ici à la gauche du menu général. Sous forme d'un listing, vous allez donc retrouver tous ces waypoints, ces routes et ces traces, précisément avec l'icône, le nom du logo en question, la distance et le cap par rapport à l'instant T, la position GPS, l'heure et la date de création. Également dans ce menu latéral, vous allez retrouver les informations de marée avec un marégramme qui se base donc sur le port le plus proche. Vous avez forcément l'accès à tous les ports à proximité et vous pourrez également modifier la date. L'un des objectifs du Barracuda Tour étant de réussir à pêcher du poisson, vous allez devoir utiliser les différents modules sondeurs de l'HDS. L'HDS Carbone est doté d'un module sondeur 2D Chirp qui va vous permettre de détecter à l'aplomb du bateau. L'aplomb se situe juste au niveau du menu. Ce que vous aurez ensuite sur la gauche sera l'historique. À tout moment, vous allez pouvoir placer votre curseur à l'écran pour revenir en arrière sur vos anciennes détections. Il faut savoir que chaque pixel correspond à une position GPS. Vous allez donc pouvoir marquer un point sur un écho ou sur un relief qui a porté votre attention. Il faut savoir que ces modules seront réglés par nos soins
avant le Barracuda Tour. Vous n'aurez donc qu'à jouer sur la sensibilité et la colorline pour obtenir une image la plus précise possible et la plus riche. Il faut savoir que la sensibilité devra toujours être assez élevée afin d'éviter de passer à côté d'éventuels échos. Si la sensibilité est trop faible, vous allez donc louper certaines détections. Si elle est trop forte, vous aurez trop d'informations. Donc il faudra trouver un entre deux qui vous permettra d'avoir un écran assez précis, mais pas trop chargé en parasites. En plus de cette vue 2D, vous allez bénéficier d'une vue downscan qui va vous permettre, elle, de bien comprendre le relief et la composition du fond. Grâce à l'option Fish Reveal, vous allez tout de même pouvoir récupérer les échos forts du 2D et les afficher sur cette vue downscan. En fonction de la profondeur, vous allez devoir régler la fréquence entre 455 ou 800 kHz en fonction de la profondeur. Nous vous conseillons d'utiliser la palette de couleurs 6 ou 9. Lors du Barracuda Tour, vous aurez de nombreuses périodes de navigation. Nous vous conseillerons donc d'utiliser la fonction pilote qui va vous permettre d'avoir votre cartographie en 3 dimensions ainsi que les informations de navigation. Lorsque vous allez créer une route ou lancer un go-to, vous allez récupérer la distance à destination, le temps de navigation et ainsi que la distance qu'il reste à effectuer. Tous les Barracuda sont équipés de moteurs Suzuki. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations de moteurs qui sont raccordées en réseau NMEA 2000 à nos écrans. Vous allez donc pouvoir afficher les informations de régime, de tension de sortie d'alternateur, de consommation, de niveau de trim, le carburant, la température, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous restons à votre disposition durant les deux week-ends du Barracuda Tour pour répondre à toutes vos interrogations et venir même à bord des bateaux pour effectuer des réglages un peu plus poussés et répondre à toutes vos questions.